homme que Dieu a préparé comme Jérémie depuis le ventre de sa mère pour la libération de son peuple. Mais il y a des années, il n'avait jamais rêvé de devenir un oint de Dieu parce que les affaires qu'il faisait l'amenaient au bout du monde et il connaissait une grande réussite. Mais à chaque occasion, Dieu prenait part des oints de Dieu pour lui annoncer qu'il appelle pour le ministère. Malgré tout ça, il résistait à l'appel. Dans l'un de ses voyages, il va croiser quelqu'un qui n'est pas comme les autres, un homme de Dieu mis à part, un Élie de sa génération que Dieu a doté d'une onction particulière pour la libération des âmes. C'est le Seigneur prophète Né Eriksen. Ce dernier qui ne le connaissait pas va prophétiser sur sa vie en lui disant qu'il a l'appel de Dieu. Dès lors, sa vie d'homme d'affaires va chambouler. Plusieurs difficultés venaient à cause du refus toujours d'accepter cet appel de Dieu sur sa vie. Mais après maintes réflexions, il va enfin décider de se consacrer pour lancer le ministère. Il lui a fallu un an de préparation spirituelle comme physique. Après cette préparation, le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Origigi, a été mis sur les fonts baptismaux en 2017. Dieu a appelé son nom le prophète Ulfoué Dasoba afin de l'utiliser pour libérer son peuple. Les moyens au départ faisaient défaut, il fallait aller d'église en église, de maison en maison pour pouvoir célébrer les cultes. Le cas du garage du feu Papa Yévi qui permettait de réunir au départ quelques têtes pour les cultes. Suite au nombreux miracles que Dieu faisait au milieu de son peuple, une passe sera donnée au ministère pour la célébration des cultes. Le prophète en train de sacrer avec les fidèles. Une fois la parcelle est donnée et prête pour les cultes, l'autre difficulté qui va pointer à l'horizon est où trouver de l'argent pour la location des bâches ainsi que les chaises. D'où les cultes se faisaient à l'air libre, sans micro ni lumière. Petit à petit, la construction de la chapelle de l'église Origigi Lokosa a été faite avec les fidèles qui s'augmentaient à chaque culte. Dieu a continué à se manifester autrement au milieu de son peuple à travers des miracles. Ce couple est le premier à témoigner de bébés miracles sur la tête de la transfiguration de Christ. La femme cherchait bébé depuis 7 ans. Depuis le début, au moment où les moyens étaient limités, le prophète Ulfoué Dasoba faisait des dons à toute femme qui voulait faire la dédicace de son bébé. Dieu a continué à étonner son peuple à travers des miracles. Le nombre de fidèles augmentait et le décor de l'église va commencer à changer progressivement jusqu'à donner ceci. Normalement, certains pouvaient s'estimer heureux d'avoir réussi leur mission. Mais comme le prophète Ulfoué Dasoba avait sur lui la feuille de route que le Seigneur lui a donnée, de Lokosa, il va lancer les croisades. La première croisade est celle de Koulikame dans le département du Mpoufo pour gagner les âmes pour Christ. Juste après Koulikame, il va lancer la croisade de Koumé. De Koumé, les gens ont commencé à connaître le ministère un peu partout et la nécessité d'aller gagner les âmes à la capitale économique du Bénin se faisait sentir. Là encore, les difficultés étaient au rendez-vous. Comme ils savaient bien le faire, tous les cultes étaient sans micro et parfois à l'air libre. Malgré cela, Dieu opérait terriblement les miracles et délivrances au milieu de son peuple. Par la suite, la branche Origigi Cotonou va être installée avec la construction de la chapelle de Cotonou à Kokokoji. Ce qui va créer une grande visibilité pour le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Origigi sur le plan national et international. Après la branche de Cotonou, les gens d'Azové ont commencé à réclamer le ministère sur le sol. Selon eux, les âmes en détresse ont besoin d'être libérées. Mais à chaque étape, il y avait des difficultés qu'il faut surmonter. C'est le cas aussi à Azové. Mais par la suite, la branche d'Azové a été installée. De nos jours, le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Origigi, est reconnu dans le monde entier et compte des millions de personnes sur le plan national et international. Notre vision est d'apporter l'évangile dans les coins et recoins du Bénin et du monde entier.